Bonjour, bonsoir Internet, comment nous y? Je dis à nous décider de faire un petit parler avec les Haïtiens. Et nous décider de parler avec Génie. Nous décider de parler de le syndrome du sauveur blanc. Et le syndrome du sauveur blanc, et c'est une maladie psychologique qui a ravagé les peuples haïtiens. Et non seulement les peuples haïtiens, tout noir un peu partout à travers le monde. Et c'est pour raison ça, lorsque les noirs ont un problème, ils attendent un sauveur. Ils attendent un monde pour venir délivrer. Et replis ça, l'inculqué à nous pour l'éducation. Parce que nous recevons une éducation coloniale, nous recevons une éducation eurocentrique. Et ça a une cause que nous pas de confiance dans nous. Nous pas quoi dans ça nous est en tant que peuple. Et de ce fait, je dis avant d'entrer pour me parler avec nous, vous voulez faire un tir aller. Sous quelques données statistiques de insécurité qui gagne à travers le monde. Donc, et je vais montrer nous, parce que les Haïtiens, il y a des awas. Pour nous-mêmes, nous pensons que nous sommes pays qui sont mal dans le monde. Nous sommes pays qui délaissés. Nous sommes pays qui ont plus d'insécurité. C'est comme si nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas dans la tête. Et pour cela, nous sentons nous pas qu'à résoudre le problème d'insécurité. Nous n'attendons pas sauver. Et c'est si nous attendons sauver blanc. Et cependant, que d'insécurité qui existe aux États-Unis, qui existe au Canada, qui existe dans les grands pays occidentaux. Il n'est pas comparable avec Sanap Sibila. Et Sanap Sibila, il n'est pas rien par rapport avec eux. Et ceci, l'insécurité, ça a toujours existé au Canada, il a toujours existé aux États-Unis, il a toujours existé dans tout le pays. Ça. Mais seulement, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas jamais montré photo de monde qui mourit dans la télévision. Ils n'ont pas jamais montré photo de monde qui mourit sur Internet. Mais seulement, c'est celle nous-mêmes, là où mourit, premier, ça nous fait. Nous courons pour la vidéo, nous la gueule sur TikTok, nous la gueule sur Facebook et nous la gueule sur YouTube. Et c'est ça qui vient cause que même YouTube, il essaie de bonner haïtien parce que lui connaissait cette vidéo, ça y est, nous gagnons la tête pour nous publier. Et nous allons montrer selon un petit document ça, selon quelques données statistiques dans le document ça, que États-Unis c'est le trône de l'insécurité, Canada c'est le trône de l'insécurité, et que c'est parce que eux-mêmes, insécurité à l'IAKAYO, c'est avec eux vivre qui fait eux-mêmes, ils ne prennent pas ça, ils subissent à la pointe. Par exemple, imaginez-vous, les Parisiens arrivent dans le dernier souffle, dans le dernier soupir, ils ne sont pas capables encore. Ils ne sont pas capables de crier, de aller, les relever avec les pays ça, pour venir porter ses coups avec les pays ça, ou pas de blanc. Pour qui ça? Parce que ça, n'a pas subi à la, ils ont même eu la caille, ils ont une dimension qui est plus élevée. Et nous sommes capables de considérer les pays ça, et comme si nous sommes capables de prêter le mot ça, qui est le porte saint. Par exemple, pour m'expliquer le concept ça, pas oublier lorsque le ministre était entré en Haïti et il était apporté choléra à nous. Lorsque le choléra vient en Haïti, mon paquet de petits monde qui mourent, mon paquet de grands monde qui mourent par diarrhée. Mais tandis que le ministre n'est pas là, les gens vivent avec le choléra dans le sang. Et le choléra, c'est une maladie qui fait les gens vivre. Et sans choléra, ils ne peuvent pas vivre. Mais cependant, nous les Haïtiens, lorsque nous avons choléra, nous mourons, nous ne pouvons pas vivre. Et les gens qui vivent la maladie ça dans le sang, ils le portent saint. Mon paquet de monde qui se porte sain, qui vit telle maladie dans son, et s'il n'a pas de maladie, ça ne peut pas vivre avec elle. Et il en est de même pour les États-Unis, pour le Canada. Canada, États-Unis, ils ont une sécurité dans son, ils vivent avec elle. Et ils ne peuvent pas infecter la société dans rien, parce qu'ils se portent sain. Comment on peut enlever le pays qui vit avec sécurité dans son, côté taux de criminalité, taux de crime qui est dans le pays, ils sont tellement élevés, pas de bouche pour parler.
Et puis on ca vivre avec elle, elle pas infecté ou non, elle pas déranger ou non, et ça fait ou pas jambe bailler sous journal. Après CNN pas jambe parler de bagaille, ça pas jambe bailler parce que ou ca vivre avec elle, c'est porter sain. Mais comment faire porter sain ça yo? Moun ça yo qui ca vivre en sécurité dans sang yo, qui des gènes de criminalité. Pas oublier les blancs, dit nous ça, nous connaissons déjà, gayon colombienne qui est pour livre et livre ça titré la férocité blanche. Pas oublier les blancs sont peuple nomade, c'est pas trop peuple sédentaire. Et peuple nomade ça, c'est marcher par ci par là, faire la guerre avec tout peuple qui sédentaire et pour prendre place là. Puisque son peuple qui nomade, nan gen yo gen la guerre, nan gen yo gen insécurité, insécurité moun mouri, criminalité pas déranger nan rien. Et c'est pour cette raison, nous pas ka attendre ces moun sa yo qui pouvin mettre solution dans problème insécurité nan la caill nou. Donc notre petit document ça me nan même là qui sont petit document religieux qui titre premier sous. Et son théologien qui écrit il y a qu'il y a un contexte pour nous comprendre comment le monde finit. Et dans le contexte, ça lui apporte des données statistiques pour corriger ça l'a dit. Donc, dans le document, ça va après sous-titre, il y a marqué augmentation des crimes violents. Dans le document, ça, mais ça nous lit. Nous lit ça. Les policiers de Montréal ont déclaré une augmentation générale du climat de violence. Depuis 15 ans, le nombre de personnes accusées de crimes violents a augmenté à un rythme de plus en plus rapide. En 10 ans, ce taux a presque doublé. Sur 65 000 personnes accusées pour des crimes qui comportent de la violence, environ les deux tiers étaient âgés de 12 à 34 ans. Un accusé de meurtre sur 3 est âgé de 15 à 17 ans. Depuis plusieurs années, la délinquance juvénile violente est en hausse. Voie de fait, agression sexuelle et vol qualifié. Les jeunes de Montréal entre 15 à 24 ans sont plus violents qu'ailleurs au Canada. 30% des agressions sont commises par des jeunes de moins de 18 ans. De plus en plus d'enfants sont agressés sexuellement par des adolescents. Même les enfants qui ne sont plus en sécurité nulle part. Pour le premier semestre de l'année scolaire 94-95, 8333 actes de violence ont été rapportés provenant de 1900 établissements scolaires de la province du Canada. Ça, c'est crime qui gagne au Canada. La violence contre les femmes. Mais ça, c'est écrit. 98% des femmes canadiennes ont vécu des expériences de violence sexuelle, que ce soit verbale ou physique. 51% des femmes ont subi une forme d'abus sexuel ou physique. 2,4 millions de Canadiennes ont commis du harcèlement sexuel au travail. Les femmes tuées par leur époux ou leur conjoint représentent le groupe le plus important de victimes d'homicide. Dans les 98% femmes canadiennes, yo vécu expérience violation sexuelle, verbale ou physique. 51% femmes qui vivent au Canada dans une période donnée, yo subi harcèlement, agression sexuelle dans le travail côté au sorti. Et majorité, mesdames, ça y est, mari yo toujours tué. Ça veut dire 98%, ça veut dire 2% seulement épargné. Ça veut dire dans le niveau Canada, t'es là, nous là en Haïti, nous pas dans le niveau ça. Ça dit pour nous trop, yo pays qui est dans niveau ça, il pas qu'à délivrer pour nous, il pas qu'à sauver pour nous. Il pas qu'à yo moun n'aprèlé, c'est comme si c'est Dieu pour venir délivrer nous. Des devantures placardées, des artères bouchées, une place Émilie Gamelin désertée. À quelques mètres de là, une arrestation pour vol à la SAQ. L'un des principaux enjeux du secteur, c'est la cohabitation avec une itinérance plus visible. Beaucoup de nouveaux visages, plus de problèmes de santé mentale, je dirais plus de problèmes de consommation aussi. Ça dérange les citoyens qui ne sont pas habitués et qui n'ont pas nécessairement les outils pour dealer avec ça. Un sentiment d'insécurité que ne partagent pas tous les résidents. J'aime ce quartier parce que la vie est ici est très active. Les gens qui ont peut-être peur des gens qui sont SDF ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont incompris. En annonçant sa fermeture, Archambault cite les problèmes liés au tissu urbain et que Montréal a fait du quartier un laboratoire de mixité.
Le quartier des spectacles, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est vu comme étant un succès, mais il y avait des périodes où il y avait beaucoup de travaux, il y avait des enjeux d'itinérance aussi dans ce secteur. Donc, je pense qu'il ne faut pas être laxiste, mais ça prend quand même une certaine patience. Mais les signes de revitalisation dans cette zone spécifique du métro Berry-UQAM sont rares. Oui, il y a des projets immobiliers qui demandent du temps pour pouvoir voir leur émergence, des logements, des projets privés et des projets aussi également publics. Mais où ils travaillent, il ne se passe pas rien. Une tour à condo annoncée début 2021 n'a toujours pas vu le jour, par exemple. En attendant, on mise sur une animation saisonnière inclusive, les Jardins Gamelin. Ce qui fonctionne aux Jardins Gamelin, c'est d'être capable de faire rencontrer les publics. Le fait que quand vous avez un certain nombre de personnes en situation d'itinérance qui sont dans cet espace-là, c'est un peu insécurisant. Mais quand vous avez 1000 personnes sur le même site avec le même nombre de personnes en situation d'itinérance, bien là, à ce moment-là, le sentiment de sécurité est beaucoup plus élevé et plus intéressant. Qu'en est-il de la criminalité dans le grand quartier du village? Je vous dirais que la criminalité dans le secteur est stable. En fait, si l'on regarde les 10 dernières années, les crimes contre les personnes et contre les biens sont même en légère diminution. Il manque les données du dernier trimestre de 2022, mais certaines catégories ont demandé plus de travail aux policiers l'année dernière. Les introductions par effraction sont peut-être en plus grand nombre, incluant les voies de fait, puis je vous dirais les vols de véhicules. Et oui, ces infractions peuvent avoir un impact sur l'attractivité du secteur. Même si l'on compte 10 commerces supplémentaires en 2022. Les enjeux de sécurité, c'est le frein numéro un en ce moment au développement économique du quartier. Est-ce que ça s'améliore? J'ai l'impression que ça s'améliore. La rue Sainte-Catherine doit être refaite à neuf l'année prochaine. Une autre occasion de donner un nouveau souffle. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Par exemple, pour les États-Unis, on peut remarquer recommettre. Mais ça qui est écrit, une offense criminelle a lieu à toutes les 2 secondes, 1 mètre aux 20 minutes, un vol aux 48 secondes, un viol aux 5 minutes, un crime violent aux 16 secondes. C'est-à-dire bien oui, aux États-Unis, il y a un crime qui fait à chaque 2 secondes. C'est-à-dire bien oui, à chaque 2 secondes, il y a un crime fait aux États-Unis. Il y a tué un monde à chaque 20 minutes. À chaque 20 minutes, il y a tué un monde. Il y a tué un monde aux États-Unis. À chaque 48 secondes, il y a une femme, un bagage, un volé. Il y a un volé, un bagage aux États-Unis. À chaque 5 minutes, il y a une femme, un violé. Soit, il y a un petit garçon, un violé par bagage bisexuel, par homosexualité. Chaque 5 minutes. Et il y a un crime, un gros crime violent qui commet aux États-Unis chaque avec 16 secondes. Ça dit, si au pays, attendez bien, oui? À chaque 2 secondes, bon crime qui commet aux États-Unis. À chaque 20 minutes, il y a un monde qui tourne au monde aux États-Unis. À chaque 48 secondes, il y a un bagage qui vole aux États-Unis. À chaque 5 minutes, il y a un monde qui viole au monde aux États-Unis. Et à chaque 16 secondes, il y a un crime violent qui commet aux États-Unis. Ça veut dire, non, il y a quoi aux États-Unis, là, nous-mêmes, dans le niveau d'insécurité, nous pas là-dedans. Ça veut dire, on ne paye pas dans le niveau ça, et puis on appelle l'aile. Pendant cette temps, j'aime pas une nouvelle sur CNN pour la plaindre des crimes et sécurité que la Cali. Elle dit pour nous, son pays porteur sain qui vit avec criminalité, avec insécurité. Ensuite, mais ça qui écrit dans le même document, dans le même là. En 1994, il y a eu 10,9 millions de crimes violents aux États-Unis. Tenez bien, 1994, 10,9 millions de crimes violents aux États-Unis. Ça veut dire nous-mêmes, nous pouvons avoir encore ça même. Donc, dans les familles des militaires américaines, chaque semaine, un soldat de l'armée tue un membre de sa famille. Ça veut dire, dans la famille américaine, chaque semaine, mon soldat tue un membre de la famille. Ça veut dire, dans le niveau de sécurité États-Unis, en 1994, ça veut dire, nous ne pouvons pas au pied de l'échelle. Et pays ça, et dans le moment où il n'y a pas de plein, si on n'a pas de jambes à nouvelles, publier des photos sur YouTube, monter mon capture, monter mon capture, mon ne pas jamais faire ça, parce que yo vivent à insécurité avec criminalité. Ça dit nous, mais moi pas nous venons dernier niveau, mon grand goût, mon pas qu'à vivre, mon pas qu'à supporter encore. Peuple haïtien fait manifestation, nous relè, nous cherchons aide avec un pays qui dit ses amis, nous ne pas intervenir. Pour qui c'est pas intervenir? Parce que c'est porteur sain. C'est comme si ce n'est pas là qui de choléra, yo vivent à choléra, choléra pas de régional, il partie, tandis que nous avec choléra, c'est nous qui a demandé, nous délivrer en bas choléra. Pendant ce temps, vivre à choléra, c'est choléra même qui fait vivre. Ça veut dire, ou bien l'ethnique, c'est l'insécurité, c'est la criminalité même qui fait fonctionner. Et ça me dit là, les sociétés occidentales. Et c'est pour cette raison, nous pas qu'à recourir à Mounsayo dans le problème de sécurité qu'il y a. Bon,
Ensuite, mais ça qui écrit, lors des émeutes de 1992 à Los Angeles, 20 000 âmes ont été volées. 3 000 seulement ont été retrouvées. Il y a 130 000 gangs dans la ville de Los Angeles. 130 000 gangs dans la ville de Los Angeles. And new today at 4 o'clock, police tell WRAL they've now identified several people involved in this shootout outside of a convenience store and gas station just off I-85 in Henderson. I'm Lena Tillette. And I'm Dan Haggerty. Customers you can see ducking for cover, trying to get out of the way, escaping this rapid gunfire. WRAL's Matt Tallhelm is there live to show us what happened, Matt. Yeah, Dan, those bullets burst through the glass here outside the Gate City food store. This was in broad daylight Saturday afternoon. More of those bullets flew across the street into the apartments you see over here toward those apartments. This was just 20 seconds of terror, all of it caught on surveillance camera video. This looks like any typical gas station stop, cars pulling up to fill up. But look closely as this guy in a blue jacket gets out of the white car parked at the pump with a long gun tucked in his pants. As he walks toward the Gate City food store, the gunfire begins. From another angle, you can see him jump back as a barrage of bullets shatter the glass door. He then whips out the gun and returns fire, along with another man who gets out of the white car, gun at the ready. They fire toward West Andrews Avenue as a blue SUV speeds away, and a man in a dark sedan at a nearby pump runs in the same direction. A customer trying to escape the store falls to the ground to crawl away. Cars driving by turn around to avoid the shootout. The bullets flew across the street, piercing the side of the North Henderson Heights apartments. Neighbors describe dropping to the ground as they heard the rapid pops of gunfire. One woman tells me she pushed her grandkids onto the floor behind a couch to shield them from the chaos. None of them wanted to talk with us on camera out of fear for their safety, but they want this violence to stop before an innocent bystander gets caught in the crossfire. And good news, and amazingly, no one was hurt in all of this. However, Henderson's police chief does tell us one of the men involved did have some minor injuries to his feet. Now, the chief tells me investigators watched those exact videos we showed you, and they were able to obtain some warrants against several people involved in this, but the police chief would not say if those people are arrested yet or if there's any ongoing threat to the community here. Dan? Shocking for so many reasons. Matt Tallhelm reporting live in Henderson. Le Brésil a été le champion du crime avec 370 meurtres par jour en 1994. Une marche blanche pour réclamer la paix dans une favela. À la plage de Copacabana, une procession silencieuse et l'enterrement symbolique d'un petit cercueil blanc. Eduardo avait 10 ans. Il est une nouvelle victime innocente d'une guerre sans merci entre police et narcotrafiquants qui a fait 4 morts en à peine 24 heures dans cette favela du complexo d'Alemã au nord de Rio de Janeiro. Une balle perdue selon la police, un assassinat pour la mère d'Eduardo qui crie sa colère contre la police pacificatrice locale. Que cet UPP s'en aille d'ici immédiatement. Il tue des innocents. C'est une police assassine qui a enlevé la vie de mon fils. Ce sont des lâches. La mort du petit Eduardo a provoqué une vague d'indignation. La présidente Dilma Rousseff a demandé que les responsables soient jugés et punis. Et à mesure que l'enquête avance, la responsabilité de la police dans la mort de l'enfant semble se préciser. Les autorités avaient pourtant affirmé que cette favela avait été pacifiée. Comprendre par là que la sécurité y était revenue à grands coups de déploiements policiers et militaires. Mais depuis quelques mois, les affrontements ont repris de plus belle. C'est le chaos. On pensait que ça changerait avec l'UPP, mais ça a empiré 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. On va aller jusqu'où comme ça? La veille de la mort du petit garçon, une femme au foyer a été tuée d'une balle perdue devant sa télévision. Zaquel Nunes était présent ce jour-là. Il a tenté de la secourir en vain. La terreur ici est constante. Tous les jours, on a des échanges de tirs parce qu'on vit sur les territoires de chiens et de chats. Et vous êtes au milieu.
et vous pouvez être ciblé à tout moment sans prévenir, malheureusement. Selon un dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le nombre de personnes, innocentes ou non, tombées sous les balles de la police de Rio a augmenté de plus de 40% rien qu'en 2014, faisant de la police brésilienne l'une des plus meurtrières au monde. Des vidéos amateurs montrent régulièrement la tension extrême entre policiers et habitants. Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici. Mais malgré les victimes, même collatérales, pas question de reculer dans le processus de sécurisation. C'est impossible de dire que ça n'arrivera pas. À partir du moment où il y a affrontement, ce n'est que la conséquence des actions des trafiquants. Ce sont eux qui utilisent la population comme bouclier au milieu des tirs. S'il n'y avait pas ces armes de guerre, s'il n'y avait pas cette drogue, rien de tout ça n'arriverait. Si la pacification a permis une chute de la criminalité à Rio avec le déploiement de plus de 10 000 policiers, sa politique très répressive est loin de faire l'unanimité chez les habitants. À un an des JO, la crise actuelle a une nouvelle fois relancé le débat sur la stratégie adoptée pour faire baisser la criminalité à Rio de Janeiro. En 1994, la Colombie fut le pays le plus violent au monde. Il y a eu 110 000 meurtres en 10 mois. Tenez bien. En 1992, à Los Angeles, 20 000 hommes volaient. Ils volaient 20 000 hommes. Et les policiers, l'armée, allaient chercher ces 3 000 hommes seulement au jour. 20 000 hommes, ça a été volé. Toutes hommes, ça a été gagné. États-Unis. Ça veut dire que quantité des hommes qui ont circulation en Haïti, là, ils peuvent être comparés avec crime, avec hommes qui ont circulé aux États-Unis, dans la période-là. Et dans le moment, à Los Angeles, ça dit même, j'ai des cités soleil, là. Nous des matissants là, nous des villages de Dieu là, nous ne savons pas rien, nous des savons, nous ne savons pas rien. Tandis que Los Angeles seulement, États-Unis, nous des 130 000 gangs en 1992, 130 000 gangs. Ça veut dire dans l'époque là, si on n'a pas de bonnes nouvelles, pas de gens qui ont pris une photo côté de la crise, nous l'avons sur YouTube, l'avons sur Facebook, l'avons sur TikTok, nous n'avons pas fait ça. Nous sommes vivants avec elle. Mais tandis que nous tellement pas nationalistes, nous tellement pas solidaires, nous tellement pas de sentiments patriotiques, depuis un crime commet, nous courons pour l'image, nous la gueule sur Facebook, nous la gueule sur TikTok, nous avons 20 images. C'est comme si Haïti, c'est pays qui pue mal là. Ce n'est peut-être pas dans le niveau, nous savons, en ce qui a trait avec l'insécurité. Par exemple, 130 000 gangs, Haïti, combien de gangs nous avons? Nous avons contrôlé sous douette. Haïti, pourquoi 2 000 gangs? Pourquoi 2 000 gangs en Haïti? Ça veut dire pour nous, les États-Unis, il y a comparable dans ce sens-là. Ça veut dire que le pays qui est dans le niveau, ça ne peut pas qu'après le venir résoudre le problème de sécurité là. Pendant ce temps-là, vivre avec bien stérilisation là. Par exemple, en 1983, le Brésil, il y a 370 000 assassinés chaque jour au Brésil. Chaque jour, il y a 370 000 tués, assassinés. Ça veut dire que pas dans le niveau ça. En 1994, la Colombie, il y a 110 000 mounes tués chaque 10 mois à Colombie. Mais nous-mêmes, comment nous avons tué, comment nous avons mouru. Et ça me dit, ça veut dire pour nous trois, nous toujours penser, par exemple, dans le moment où Bagay Biden, dans le pays a ouvert, en plus, nous avons quitté le pays, nous avons dégagé, nous avons couru, nous avons campé pour nous couper, ça de la caille. Par exemple, pour nous-mêmes, les gens aux États-Unis, nous ne pouvons pas mourir. Pour nous-mêmes, les gens au Brésil, dans la Colombie, dans le Canada, nous ne pouvons pas mourir. Ça veut dire, à nos jours, problème de sécurité, toujours bien dans le pays, ça y est. Nous n'avons pas 20 images de sécurité sur Internet, nous n'avons pas 20, nous n'avons pas fait le monde connaître. Ça veut dire pas de côté de plus de sécurité que les États-Unis. Ou à l'États-Unis, pour pas mourir, quand mourir quand même. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas de niveau, nous n'avons. Et. Donc, Haïti, capable de comprendre dans le moment, ça nous prend pour pays qui se paradis terrestre. C'est comme si tout problème n'a pas de pas gagné dans le pays ça, nous fichons. Pas gagné n'a pas de là qui pas gagné dans le pays ça. Donc, ensuite, bon, faut parler des syndromes du sauveur blanc après qu'il fait tirer sur la sécurité ça. Voilà, tous les dealers qu'on a devant chez nous, voilà. Et on s'est insulté. Donc voilà où on en est, Nantes. Et en plus, ils nous insultent en français. Voilà.
Voilà ce qui se passe à Les Brancas avec tous les dealers. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Vive Nantes! Let's go.